Wesh tout le monde, c'est Raiden, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez très bien l'entendre, j'ai une voix très très cancéreuse. On va faire un commentary dans le plus grand des calmes, sans aucune pression. J'ai la clope au bec. Maintenant, on est posé les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nucléaire à la Razorback. Selon moi, l'une de mes plus belles nucléaires. Ok. C'est un gameplay, on va dire rush, comme d'habitude. Il y a de belles actions. Vous avez vu, il y a une petite quad feed en introduction dans le gameplay et tout. Et voilà, c'est un 33 GS, je crois. Ensuite, je me fais tuer comme une merde. Donc, c'est une nucléaire à peu près en 4 minutes et quelques. Donc, j'ai pas pu vraiment la faire plus rapidement. J'ai envie de dire la faute au spawn, etc. Il y a vraiment beaucoup de spawn back et tout. C'est chaud de faire une nucléaire rapide. Mais en tout cas, c'est pas vraiment ça qui me dérange. Du coup, on se retrouve encore une fois pour du hardcore. Désolé pour ceux qui n'aiment pas vraiment le hardcore. On est sur la map Aquarium. J'ai fait quelques kills à la Magikarp en plus dans l'eau. Et voilà, donc, du coup j'étais accompagné de deux potes à moi, à qui je leur fais une dédicace, donc 00 Monsieur Gamer et mon pote Gon, Gon qui fait de la compétition, et 00 Monsieur Gamer que vous avez peut-être connu sur YouTube, etc. Il fait encore quelques vidéos, il avait stoppé, il rejoue à BO3, et c'est peut-être pas la première fois que vous allez le voir sur ma chaîne YouTube dans un gameplay ou quoi, on verra bien. Du coup les gars, aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais essayer d'être rapide, sachant qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. La réouverture de la Dream. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez peut-être entendu parler de la Dream. C'était une petite team qui a réouvert sur PO2. Après avoir tout stoppé Ghost, parce que bon, il était un peu relou. Je la réouvre sur PS4, bien entendu. Donc principalement, je cherche des joueurs sur PS4, bien entendu. La moyenne d'âge, j'en ai pas forcément. Je cherche des gens avec la tête sur les épaules. Je cherche des gens qui veulent principalement s'amuser, passer du bon temps. C'était comme ça sur BO2. On a déjà quelques personnes dans la conve. C'est simple, pour faire une candidature, c'est simple. Vous pouvez me contacter sur Twitter, sur Facebook. Essayez de bien détailler un peu votre personne, ce que vous attendez un peu de la Dream, ce que vous voulez faire dans la Dream, etc. Je précise. Ça n'est pas une team performance. Il y a une chaîne YouTube qu'on ne gère absolument plus du tout. On va peut-être la reprendre, on verra bien. Mais voilà, c'est principalement pour jouer, on va dire, à BO3, peut-être même à Battlefront quand il va sortir, à GTA si je le réachète, etc. Donc c'est vraiment une team de potes, un bon petit comité de potes. Donc voilà, pour poster votre candidature, vous pouvez même la faire en commentaire YouTube si vous le désirez, Twitter, message privé YouTube, comme je l'ai dit, Skype si vous m'avez sur Skype, et également sur Facebook comme je l'ai dit. Ou alors, dans ce cas-là, si vous connaissez des potes, etc., vous pouvez bien entendu leur parler, enfin leur en parler de la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'un pote peut être intéressé ou je ne sais quoi. Bah en tout cas, on s'approche déjà vers la fin de la vidéo. Enfin, il me reste un ou deux kills, je pense, pour faire la nucléaire. Et ensuite, justement, je vais faire deux kills pour le gunstreak. Et ensuite, je vais me faire tuer vraiment bêtement. Du coup, j'espère que le gameplay vous a plu. Franchement, j'ai trouvé que le rush du début était vraiment sympa. Quelques petits kills sympas. La petite quad feed du début. Je crois que je vais justement débloquer ma nucléaire là d'ici. Voilà, juste ce kill. Voilà, tac. Et en plus, le pire, c'est que j'ai failli me prendre un tomahawk. Imaginez, je me le prenais pour le kill de la nucléaire. Mort de rire. Du coup, je suis prestige 6, niveau 22 et quelques. Je vais essayer d'être prestige 7, 8 avant la fin du double XP. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez voir que je vais me faire tuer pour mon gun streak. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Je vous dis ciao ciao les gens, à la prochaine. C'était Raiden.